Monsieur Joël Verani, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur France de la grande marque Alfa Romeo. J'ai cette chance. Et là, vous êtes présent Place Vendôme au Rallye des Princesses pour nous présenter ce nouveau modèle. Voilà, c'est beaucoup de premières aujourd'hui pour nous, pour Alfa Romeo. Déjà, c'est la première fois qu'on est partenaire du Rallye des Princesses. On est très heureux d'être le partenaire exclusif automobile pendant toute la course. Donc on a une trentaine d'Alfa Romeo qui vont accompagner la course. Alfa Romeo moderne et Alfa Romeo ancienne, puisqu'on a aussi des équipages Alfa Romeo. Est-ce que le soir, aux arrivées des étapes, il y aura, comment dire, une assistance technique, mécanique ? Justement, c'est le principe. Chaque soir, on aura une minute Alfa Romeo pour expliquer, donner des conseils en termes de pilotage, donner des échanges autour de la course et autour de la marque, puisque c'est une marque de passionnés, c'est une marque de passionnés automobiles et surtout de course automobile. Véhicule de légende, Alfa Romeo. Hein. C'est bien ça, et aujourd'hui on est très fiers parce qu'en plus on a non seulement la légende mais la nouveauté. À cette occasion, on présente un nouveau véhicule qui est Alfa Romeo Junior en avant-première, puisque c'est la première fois qu'on le présente en France, et il sortira en vente à partir de septembre dans les points de vente, et il suivra toutes les étapes de la course, donc il sera présent pour les clients et les personnes qui veulent le découvrir, comme il est derrière moi aujourd'hui à l'instant, donc sur Place Vendôme. Une superbe livrée rouge Alfa et un rouge verni. Hein. Alfa, ouais. C'est l'Italie, Alfa, ouais. C'est la sportivité, et Alfa, c'est rouge. Pourquoi rouge ? C'est l'émotion. Et alors donc, il y a deux versions, il y a une hybride et une électrique. Hein. Exactement. Alors, on a une version hybride 136 chevaux, une version électrique à 156 chevaux et une version électrique Veloce à 240 chevaux avec un typage sport. Je peux vous dire, c'est la meilleure tenue de route du marché dans son segment. Il n'y a plus qu'à l'essayer alors. Hein. Oh ben, j'ai hâte de l'essayer aussi et on va se faire plaisir, d'autant que cette voiture a été conçue par les mêmes ingénieurs qui ont conçu certaines Alfa Romeo GTA, des Quadrifoglio, donc autant dire que c'est tout un programme. Non, une légende encore une fois. Exactement. Bon, on vous souhaite un bon tour, un bon rallye des princesses en tout cas, une belle balade dans Paris, Paris puis la province. Un grand merci à vous, on a hâte.